ville aussi soit d'accord. Mais combien coûte l'arrivée d'un tour ou le départ d'un tour pour une ville? Et vous allez voir, je vais peut-être vous donner une idée tout de suite. Ça coûte combien? Ça je coûte... suis maire d'une ville, oui. J'ai envie... En 1987, oui. Ça vous coûte 400 000 francs. 400 000 francs, que ce soit un départ ou une arrivée, c'est ce que doit donner une ville. Vous pourriez peut-être organiser un tour où on ne prendrait pas une seule fois l'avion ou le train, ça serait quand même mieux, où il n'y aurait pas d'étape de repos, de jours de repos, et vous demanderiez à des vous grands... Vous supprimez les jours de repos pour non, les Non, oui, parce que je crois que j'ai écouté tous les joueurs, ils sont assez d'accord. Et à ce moment-là, vous demanderiez à des sponsors, et vous n'en manquez pas à voir toutes les voitures qui se promènent dans la caravane et dans votre tour, on sent qu'il y a vraiment de l'argent partout. Et vous demandez à ces gens-là, qui ont les moyens, encore beaucoup plus d'argent. À ce moment-là, les villes ne payent plus, et c'est un spectacle, parce que déjà, c'est un fabuleux spectacle, gratuit, seul grand spectacle gratuit dans le monde pour les gens. Et il serait complètement gratuit pour tout le monde. Et il y aurait des fêtes partout, parce que les villes, à ce moment-là, auraient l'argent qu'ils vous donnent à consacrer à leurs fêtes. Vous êtes en train de m'expliquer que c'est un merveilleux spectacle pour les villes, mais qu'il ne faut plus rien leur demander, si je comprends. Non, c'est ça. Non, mais je pose la question, et peut-être qu'on peut y répondre. Non, je pense qu'il ne faut pas non plus bouleverser la structure de financement du Tour. Je crois qu'elle a fait ses preuves. Et si on arrive justement à faire en sorte que les coureurs soient mieux lotis au niveau des prix, il faut poursuivre dans cette voie. Alors c'est vrai d'une part que nous allons réduire les transferts dès 1988. Berlin, c'était exceptionnel, c'est vrai, il faut le dire. Et je crois que les coureurs et les dirigeants des équipes de ces coureurs ont admis que ça avait été une opération extraordinaire. C'est vrai qu'on a accumulé après un certain nombre de transferts qui sont dus à l'itinéraire que très probablement nous ne renouvellerons pas en 1988. Rappelez-vous ce qu'a dit Jean-François Bernard, il faudrait savoir si on est des coureurs cyclistes ou des déménageurs. Oui, j'ai entendu Giuseppe Saroni dire on est traité comme des bêtes. Jean-Claude Colotti, quel est votre... Un coureur peut répondre quand même au directeur de l'épreuve. Et ça n'est pas parce que vous faites le premier Tour de France que vous devez être frileux. Hein. Dites-lui, il est dans les yeux dans les yeux, tout ce que vous avez à lui dire. Bien, c'est sûr qu'on fait énormément de déplacements et ça nous fait lever très tôt, des fois coucher tard. Et c'est sûr que c'est pénible au long. Si on calcule sur tous les jours, à la fin du Tour de France, je pense que ça fait beaucoup de fatigue supplémentaire. Roland Leclerc. Ben, disons, ouais, on fait des journées environ de 12 heures le matin. Ça nous arrête de nous lever à 6 heures du matin pour manger. Ensuite, bon, là, des fois, le départ est vers 9h. Vous levez à quelle heure? Par exemple, le départ a lieu à 10h le matin. Vous levez à quelle heure? Ben, disons, en général, bon, on se lève 3 heures avant le départ de la course. Bon, si on veut le départ à 10h, on se lève vers 7h. Oui, alors là, déjeuner. Oui, ensuite, bon... Mais un vrai déjeuner. Oui, un vrai déjeuner, un repas complet, oui. Avec beefsteak, salade, frites... Oui, le repas pour le Tour de France, pendant 3 semaines, c'est exactement pareil aussi. C'est-à-dire? On a crudité, ensuite on a poisson général, un plat viande avec, en général c'est des pâtes, puis toujours pareil, yaourt et salade de fruits. Et vous devez partir 2 heures après. C'est 2-3 heures je crois, entre le déjeuner et le départ de la course. C'est 3 heures, 2h30, 3h, oui. Et puis après, bon, on retourne dans la chambre pour préparer les valises, tout. Puis des fois, bon, il y a un transfert pour aller au départ, donc on part, ce qui fait qu'on a une demi-heure entre la fin du repas et le temps de partir. Puis après, bon, on fait des fois plus de 7 heures de vélo. Puis le soir, bon, il y a encore des fois un trajet. Et bon, on a le massage, puis le repas. Je crois que les journées passent très vite dans le Tour de France. Donc vous êtes quand même contre les transferts qui vous agacent et qui handicapent un peu quand même. Non, pas tellement. Si, bon, c'est gênant des fois. Mais enfin, vous n'osez pas lui dire peut-être. Non, c'est pas ça, pas du tout. Mais c'est gênant, bon, disons qu'on est obligé de s'habituer. Alors nous avons fait les critiques qu'il fallait parce qu'elles sont, je crois, lorsque nous on les reçoit, on y répond. Lorsque. Vraiment, on vous les adresse. Non seulement il faut écouter, il faut réagir. Oui. Alors c'est vrai que le Tour de France est un phénomène. Jean-Hilaire Nally avait raison de le dire l'autre jour. Pour beaucoup de villages, c'est le seul événement de l'année. C'est vrai aussi que c'est une ambassade. Et aujourd'hui, il faut le savoir, il y a vraiment la mondialisation. Et vous me disiez tout à l'heure, Xavier Louis, que, par exemple, en Colombie, oui, c'est quelque chose de... l'administration donne congé à tous ses employés. Et les grandes entreprises. Aux grandes entreprises pour pouvoir assister pendant une heure au direct. Car absolument. En Colombie, il y a 7 heures de direct à la radio et une heure de télévision tous les jours. C'est formidable. Hein. Oui, je trouve que c'est extraordinaire. Pour ceux qui sont allés en Colombie, j'ai eu la chance de vivre des courses cyclistes en Colombie, de vivre la façon dont les gens connaissaient l'événement Tour de France en Colombie. Il faut savoir d'abord que c'est le pays qui, au monde, s'intéresse plus que les Français au Tour de France. Et le fait que la vie s'arrête véritablement dans la dernière heure de course du Tour, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les gens vivent la journée, mais ça, la journée, ça veut dire en Colombie avec 7 heures de décalage, qu'ils se réveillent très tôt.
ils vivent la journée l'oreille collée au transistor pour savoir ce qui se passe. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ils ont dû être fort heureux d'ailleurs. Alors l'an prochain, Xavier Louis, il y aura une réduction des jours de course. Je crois que la fédération vous impose 21 jours. Oui, c'est une grande préoccupation pour le Tour de France. Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à faire modifier cette décision, que nous allons devoir partir un lundi. C'est-à-dire que nous ne pourrons pas lancer l'événement Tour de France en profitant, j'allais dire, du week-end, qui d'ailleurs est le week-end qui correspond à celui de la finale de Wimbledon, finale dame, finale homme, et on risque de laisser ainsi le cyclisme sans événement au moment où se disputera Wimbledon et, je pense, un Grand Prix de Formule 1. Et ça, je considère que les dirigeants du cyclisme prennent là une décision qui est grave, qui va à l'encontre des intérêts de ce sport, de l'intérêt de tous ceux qui croient au sport cycliste et qui le défendent. Est-il vrai que Jean Bobet pourrait prendre la présidence de la Fédération de cyclisme ? Bien, je ne sais plus dans quel journal. Puisque vous évoquez cette question, nous considérons, nous sommes un certain nombre à considérer qu'à partir du jour où Germain Simon se retirera, il a dit lui-même qu'il souhaitait ne pas renouveler son mandat, il faut que le cyclisme saisisse enfin cette chance pour se donner un homme d'une grande dimension, un homme qui soit accepté à la fois par le secteur professionnel, le secteur amateur, j'allais dire le secteur du cyclotourisme, c'est le cas de Jean Bobet, qui soit un manager, qui ait une dimension internationale et qui ait un nom, qui soit en plus, et évidemment vous allez y être sensible, un ancien journaliste, ancien coureur, ancien journaliste. Il se trouve que Jean Bobet est à mon avis aujourd'hui l'homme qui réunit vraiment toutes ses qualités. Et nous sommes un certain nombre à penser qu'il faudra lancer le moment venu un appel à Jean Bobet. Il a le temps d'y réfléchir, de se préparer à cette tâche. Je pense qu'à partir de là, il y aura un consensus en faveur de Jean Bobet. Philippe Sella, bon, je ne vais pas poser la question que j'ai posée à Serge Blanco hier. Il m'a répondu, je sais que vous avez été malheureux à la finale de la Coupe du Monde de rugby, mais quand même un beau combat, hein. C'est une belle aventure. Oui, une très très belle aventure, effectivement. Au départ, l'Australie et la Nouvelle-Zélande étaient favorites pour arriver en finale, et puis nous, on s'est retrouvés là. Bienvenue dans Chacun son tour pour ce samedi un tout petit peu pluvieux en Avignon. Alors, vous le savez, c'est la journée de repos. Pour les coureurs, pas tellement, puisque tous sont en train de reconnaître la route qui sera une... Pierre d'abord, qu'il aime le Tour de France. Il a dit que c'était la plus grande épreuve du monde. Mais vous n'acceptez pas la moindre critique. Vraiment, alors nous, gens de radio et de télévision, croyez-moi qu'on est obligé parfois d'accepter les critiques. Ah oui, non mais Jacques, moi j'admets parfaitement. Bon, mais alors je vais vous dire ce qu'il a dit, hein. Je vais résumer un peu ce qu'a dit Jacques Seguela. Il a reconnu l'importance du Tour, parfait, qui est le premier spectacle du monde. Il a dit qu'il avait travaillé d'ailleurs à l'équipe avec Jacques Godet. Il a dit aussi que le Tour est un chef-d'œuvre en péril. À un certain moment même, et je suis obligé de le reconnaître, ce qu'il a dit, ce que j'ai entendu, le Tour est ringard. Alors ça vous a complètement éclaboussé, parce qu'alors là, on ne peut pas vous toucher. Hein. Mais pas du tout. Après, les maillots, je dis tout ce qu'il a dit, hein. Les maillots étaient trop bariolés. Plutôt que de mettre 20 marques sur un maillot, il serait peut-être préférable d'en mettre une seule, ce qui aurait quand même beaucoup plus de classe. Il a raison. Ensuite, il a dit, là je ne suis pas d'accord, que tout le monde sur le Tour est un même uniforme. Hein. Je ne pense pas à ça. Bon, il a dit également qu'il fallait qu'il soit européen. Ça, c'est vrai que le Tour est européen, il est même mondial. Bon, et c'est, à la vérité, un sujet de passion. Alors, je le répète, vous n'aimez pas la critique et vous vivez dans une situation de monopole. Alors, je vous laisse la parole. Jacques, pas du tout, moi je trouve que... Et hier, ça n'était pas prévu, hein. Non. J'adore la provocation. Mais elle est venue, malgré moi. C'est dommage, parce qu'on aurait bien rigolé, parce que moi j'aime beaucoup Seguela. Vous savez que Seguela est un grand homme de communication, mais qui a surtout, qui est connu, si vous voulez, pour avoir réussi un coup merveilleux en 81. Il ne faut pas qu'il s'en attribue totalement la paternité, parce que certes, il a trouvé un slogan, mais dites-moi, le maître de cérémonie a quand même fait beaucoup pour gagner la course, avec son merveilleux talent, que je ne peux pas définir aujourd'hui. Mais ne parlez pas de lui, parlez non. de vous. Alors, lui, je parle de moi. Attaqué, oui, mais lui, il a dit deux choses effectivement vraies. Il a dit, le Tour de France, premier spectacle de France, ça c'était formidable. Et puis il a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit, c'est le spectacle de la France heureuse. Et là, jusque-là, je le suis très bien. Après, quand il a commencé à parler de choses qu'il ne connaît pas, là, il s'est complètement planté. Il a dit, par exemple,
Il a dit, les coureurs sont payés comme des chiffonniers. Alors d'abord, moi, j'ai rien contre les chiffonniers, et quelquefois, les chiffonniers, ils trouvent des choses au fond des poubelles. Bon, mais en fait, ça, c'est pas grave. C'est pas vrai. Xavier Louis l'a dit très souvent, les prix que nous payons autour de France se comparent au prix payé dans les plus grands sports du monde. Non, ça je vous dis non tout de suite. Comment ? Xavier Louis, l'autre jour, j'ai eu tort de ne pas répondre immédiatement, m'a dit que le premier du Tour de France allait toucher 800 000 francs. Quoi ? Non, plus. Combien plus alors ? Dites-moi combien. 800 000 francs pour sa seule place au classement général. Mais en fait, le vainqueur du Tour est Jacques. C'est très bien de quoi on parle. Le vainqueur du Tour gagne un tas d'étapes, il gagne un tas d'autres prix, etc. Il va se faire entre 1,2 million et 1,5 million. Mais à diviser par 9, il faut diviser par tous les coureurs de son équipe, par les soigneurs. Alors je vous arrête tout de suite, Jacques, vous n'avez pas le droit de dire ça. Ah ben je parle du seul vainqueur du Tour. Vous pensez bien que ses équipiers, ils finissent aussi devant, ils gagnent aussi de l'argent. Vous allez voir ce que va gagner l'équipe qui aura le vainqueur du Tour. Elle aura beaucoup plus, celle-là. Alors le point important, Jacques, c'est que le gagnant du Tour de France va effectivement gagner, mettons, pour simplifier, 1,5 million de francs. Alors premier point, ça se compare parfaitement, par exemple, au grand gagnant de Roland-Garros. Premier point. Deuxième point, c'est un progrès considérable par rapport au passé. Moi, Jacques Anquetil m'a dit tout à l'heure en confidence, si seulement on avait gagné autant d'argent à mon époque, c'est fou ce que j'aurais gagné. Mais Jacques, il faut partager. Oui, mais il gagnait. Jean-René Bernadeau, qui est près de nous, peut également le dire. Celui qui va gagner va partager avec ses coéquipiers. Ne parlons pas de cette somme. Mais c'est bien la somme avancée. Mais ne disons pas, parce que ce serait mentir, que celui qui va arriver en tête va gagner cela. Non, mais je crois, Jacques, il faut pas dire des choses qui ne sont pas fausses. Mais il faut répondre à Seguela. Seguela dit, les gens sont les plus mal payés du monde, ils font un boulot, ils sont payés comme des chiffonniers, et c'est des malheureux. Alors ça, c'est un premier point sur lequel je dis qu'il a parlé de choses mais vous répondez pas. Moi, j'aurais préféré que vous défendiez vraiment, car ce qui m'a frappé, moi, c'est le Tour de France fabuleux, chef-d'œuvre en péril. Cela veut dire, il l'aime et il faudrait le transformer. Alors, c'est là-dessus que vous devez combattre. Là, j'y viens, si vous voulez. Seguela a dit, chef-d'œuvre en péril, ringard, il faut regarder devant et pas derrière, il faut se projeter dans l'avenir et il faut s'internationaliser. Oui. Bon, alors, on lui dit d'abord, cher Jacques Seguela, regardez donc le classement et vous verrez quand même qu'il y a beaucoup de noms qui ne sont pas des noms français. Et tant mieux, et c'est ce qu'on cherche. Bon. Et puis, deuxième point, il nous dit, si vous voulez, le Tour de France, il faut en faire un formidable spectacle, ça je suis complètement d'accord, il faut nettoyer, moderniser, Jacques on se l'a dit 20 fois, vous savez le côté casquette et visière en papier, c'était formidable, ça a eu une époque, mais aujourd'hui on fait la fête différemment, et c'est tant mieux. Mais là où, alors, où je dis, Seguela dit n'importe quoi, c'est quand il dit, voilà on devrait faire un fantastique Paris Mutuel Rural, c'est le terme qu'il a employé hier. Ah oui, un loto. Un loto, mais alors, vous n'êtes pas d'accord là-dessus. Ah pas du tout. S'il y a un moyen, et on ne va pas faire de comparaison, en particulier surtout pas transalpine, mais si vous voulez, s'il n'y a pas d'autre moyen de bricoler un sport que de mettre beaucoup de paris dessus, et on le sait bien. Alors je crois qu'il a parlé de choses qu'il ne connaissait pas très bien, il a parlé de choses, si vous voulez, finalement, mais j'ai compris ce qui s'est passé. Moi, j'ai compris. Seguela, il était comme tous les invités du Tour, il était sur le toit de sa voiture parce que c'est là que ça se passe bien. Alors c'est vrai que ces toits-là, ils font un peu mal aux fesses ou au dos, bon, ça peut s'organiser, mais après tout, c'est pas grave. Il y était heureux, je mais vous oui, dis tout mais alors justement, mais alors ce qui s'est passé, c'est que Jacques Seguela, c'est un champion de la pub, et si vous voulez, il écoutait les gens... Ah, il a gagné, là, oui, oui, mais alors, il écoutait les gens qui criaient, vive Chancel, ouais, vive Chancel, vive Amadou, vive Hino, personne n'a crié, vive Seguela. Et il y a même, on m'a fait une confidence. Non, on m'a dit, c'est une attaque. Ah, mais pas du tout. C'est une attaque perfide, Jacques, pas du enfin. Tout, Jacques. Et j'ai même entendu dire, parce que vous savez qu'on passe pas très vite, et on entend ce que disent les gens. Et moi, j'ai entendu, avec ce merveilleux accent d'ici, mais qui c'est ce gars-là? Mais qui c'est ce gars-là? Mais qu'est-ce qu'il veut, ce gars-là? Alors moi, j'ai compris que, si vous voulez, ces gars-là étaient morfondus et qu'en fait, ils voulaient absolument faire sa pub sur le Tour non, de Non, mais revenez au vrai sujet. Alors, j'en reviens au vrai sujet. La publicité chez vous est mal conçue, c'est ce qu'il a dit. Président. Hein? C'est pas tout à fait exact, et je vais expliquer pourquoi. 10 annonceurs plutôt que 150. Alors, d'abord, reconnaissons que les annonceurs tels qu'ils existent ont permis de faire du Tour ce qu'il est. Deuxième point, et c'est complètement vrai, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on va faire très différemment la publicité du Tour de France, on va améliorer un certain nombre de choses, et on va mondialiser un certain nombre de choses. Quand Jacques Seguela nous dit, il faut internationaliser le Tour de France, je lui dis, mon cher Seguela, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Le Tour de France, il a déjà 1 milliard de téléspectateurs. On n'a pas attendu Seguela pour ça. Alors le fond du problème, il est là. Seguela, il a fait hier une offre de service. Et moi, j'ai bien dit qu'on alors, allait... Vous dites oui. Attendez, moi, j'ai dit qu'on allait travailler avec tout le monde, c'est-à-dire avec les coureurs, les directeurs sportifs, les médias, pour faire un meilleur Tour de France. Et le public. Seulement, ce qu'on va faire, Jacques, c'est qu'on va prendre les meilleurs pour nous aider à faire ça. Je suis pas sûr que ce sera Seguela. Peut-être, s'il a des choses à proposer, on l'écoute, et puis on dit, monsieur Seguela, on va voir ce que vous apportez. En tout cas, vous êtes agacé, il a très bien fait passer sa communication, et au final, il a gagné.
Je crois pas qu'il ait gagné. Il a gagné ce que vous lui reprochiez au début. Il fait parler de lui. Il fait parler de lui, mais il fait parler de lui en accolant son nom au terme de ringard, c'est quand même embêtant. Parce que je crois pas que ce soit pour même pour ces gars-là la bonne façon. Et j'insiste bien, le Tour de France, c'est avant tout une fête fantastique. Il faut qu'on la modernise, il faut qu'on la fasse avancer. Là, c'est le boulot de toute cette équipe, et je crois que je donne rendez-vous à ces gars-là l'année prochaine. Comme Louis Berriot. Quand même lui, l'inventeur du slogan « Merci, monsieur Séguéla, ça c'est du meuble ». Oui, mais on peut lui dire « Le Tour de France, ça déménage ». Enfin, on peut. Mais c'est la force tranquille. Absolument. Et puis Jean-René Bernadeau, revenons à des choses sérieuses. Vous êtes coureur. Hein? Alors nous parlons, nous faisons de grands exposés, mais sur les routes, c'est vous qui pédalez. Alors ce qui a été dit là, vous paraît convenable? Oui, bien sûr, il y a certainement des idées intéressantes à approfondir. Mais je suis un peu d'accord avec M. Narquet-Radiguet, il s'est un petit peu gouré sur quelques points bien assez précis. Hein. Bon, il ne connaît peut-être pas assez bien son sujet, ça, c'est ce que j'ai ressenti moi-même. Je peux vous demander combien vous gagnez? Ce que je gagne, c'est-à-dire... Comme coureur. Mes gains divisés par 12. Oui, voilà. Je gagne les 60 000 francs par mois, 50 à 60 000 francs par mois. Ça, ouais. C'est une bonne information, Jacques Chancel. Bernadeau gagne parfaitement sa vie comme professionnel. Je trouve que c'est une bonne chose et je crois que c'est bien. Et je crois que c'est le progrès du cyclisme. Attention, c'est pas seulement l'argent, mais l'argent aidera à faire progresser le cyclisme. Et il a proposé hier de trouver un bon directeur commercial pour le Tour de France. Moi, je crois qu'il a un tour de retard. Je vais vous dire que nous acceptons mieux les critiques que vous, cher Jean-François, parce que, par exemple, on nous a reproché d'être responsable du mauvais temps. C'est Pierre vrai. Badel, hein, d'une certaine manière. Ah oui, absolument. Nous avons manqué l'étape de Luzardiden, c'est de notre faute. Le brouillard ne comptait pas. On devait s'arranger pour qu'on voit quand même les coureurs. Je me demande comment, mais enfin. Oui. Mais nous avons très bien accepté. On a dit que c'était des remarques constructives. Oui. Vous voyez, on nous attaque sur le brouillard, c'est constructif. Oui, et puis on va vous trouver bavard. Non, ouais. Vous voyez, nous acceptons la critique. Et vous l'acceptez rarement. Mais c'est parce que... Le Tour de France, vraiment, appelle la passion. Et je crois que c'est bien. Et puis, vous devez vous remettre en cause, et vous le savez, on ne met pas en cause le Tour de France. Comme le disait Jean Edernallé l'autre jour, pour beaucoup de villages, le seul événement de l'année. Ça, c'est un point important, justement, Jacques, parce que j'ai entendu dire que Jacques Séguéla avait dit hier qu'il fallait, au fond, ne faire que les 30 ou 40 derniers kilomètres de l'étape. Ça me rappelle Ferdinand Lope, à une époque, qui disait qu'il faut supprimer le dernier wagon du métro. Alors effectivement, supprimons les 50 ou 100 premiers kilomètres de chaque étape. C'est à peu près aussi intelligent. Et c'est oublié que justement, si on avait supprimé les 100 premiers kilomètres, on ne serait pas passé au Mont-Aigoual, on n'aurait pas traversé des villages pour qui ça va être le seul événement du siècle, pour certains, ce passage du Tour. Ce que rappelait Jean Edernallier. Alors je trouve que Jacques Séguéla connaît très mal le Tour de France. Il connaît mal ce qu'est justement la fête du Tour de France, que nous voulons faire à travers les villages. Je sais que vous avez beaucoup d'idées là-dessus, nous avons beaucoup d'idées ensemble avec Antenne 2 pour justement faire que le Tour soit encore plus la fête dans ces villages. Il y aura des concours, des choses à faire dès l'année prochaine. Et c'est un spectacle gratuit. Vous parliez des prix. N'oubliez pas que quand on va à Roland-Garros, quand on va voir un match de Coupe d'Europe de football, ça coûte très cher. Et le Tour de France, c'est gratuit. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier au moment de la distribution. Alors, Louis Berriot est le responsable des programmes. On parle d'Antenne 2 et c'est vrai que nous sommes étroitement associés. On en est parfaitement heureux. Je crois en effet qu'on peut prolonger la fête. Ben oui, nous avons fait quand même une chose assez quand même étonnante avec la RATP. C'est que à tout moment, en direct, on peut suivre dans le métro le Tour de France. Et vous avez tous les jours des millions de gens qui peuvent dans le métro... sur 10 écrans géants dans 10 stations, notamment dans les grandes gares, et sur à peu près un millier de récepteurs, peuvent voir à chacun son tour la diffusion du résumé du tour. Le journal du tour. Le journal du tour, tout le temps. Et on peut ajouter ça à nos sondages qui sont, mon cher Jacques, excellents pour les après-midi et pour le résumé du tour. Alors, Jacques, vous me dites que... Monsieur le directeur général. Monsieur Chancel, oui. Vous me dites qu'on n'accepte pas la critique, je dirais au contraire, simplement, c'est vrai. Bon, je suis ça un vous peu... agace. Mais non, mais je suis néophyte, donc je trouve ce truc tellement formidable que ça m'agace un peu, et que surtout, ce soit des gens, si vous voulez, qui sont un peu spectateurs et tout à fait extérieurs, qui viennent nous dire ça. Mais par contre, Monsieur Berriot vient de dire quelque chose de passionnant, et c'est ça le tour de l'avenir, si vous voulez. C'est que, il faut que, ensemble, c'est-à-dire, chacun faisant... son travail. Je ne veux pas faire le vôtre, vous n'allez pas faire le mien. Mais qu'on invente des moyens de mettre en scène ce Tour de France et d'organiser la fête du Tour de France. Je l'ai dit plusieurs fois,
La fête en 1987, c'est pas la fête comme en 1930. Bon, eh bien, on va inventer ça. Et j'ai envie de terminer pour terminer le sujet de M. Séguéla. Ah, c'est fini, on n'en parle plus. Hein. Vous avez tout dit, là. Non, simplement une chose. Vous vous savez cette chanson de Brassens, dans laquelle il y a une dame qui répond à Corneille, oui, j'ai 26 ans, mon cher Corneille. Alors, ça, c'est M. Godet qui pourrait chanter, j'ai 83 ans, parce que vous savez que le Tour de France n'a pas 74 ans, comme l'a dit mon ami Séguéla, il faut quand même qu'il se renseigne un minimum. Il a, 83 ans, c'est la 74e édition, il y a eu la guerre, et c'est pas de la faute de Séguéla. Ah, bon. Mais je suis désolé, il ne faut pas mettre sur votre 74e Tour de France. Mais il a été créé en 1903. Mais oui, et... mais alors c'est ceci est faux. Pas du tout, mais M. Séguéla a dit que c'était son 74e anniversaire. On ne parle pas de la même chose. Et donc on dirait, on a 83 ans, M. Séguéla. Et la conclusion, on a « Et je t'emmerde en attendant ». Bon, ça se chante très bien. Alors, on l'attend, on lui donne rendez-vous l'année prochaine, et on va faire la fête ensemble. Vous boxez dur, quand même. Ah oui, j'aime bien ça. Mais non, mais c'est bien. Mais c'est le jeu de jambes, ça, c'est le jeu de jambes. Et puis, je dois dire qu'on est là pour ça. Absolument. Bon, parce qu'il y a d'abord les commentaires, c'est-à-dire Robert Chapat, Jacques Anquetil, Jean-Paul Olivier, sous la baguette de Pierre Badel. Il y a ce que nous faisons ici à chaud, c'est-à-dire après l'étape pour présenter les coureurs. Dans leur véritable personnalité, et il y a le journal du Tour qui est une réflexion, qui est un moment que l'on fait vraiment aux différents moments de la journée, donc c'est un total, mais vous devez accepter aussi de temps en temps ce que l'on peut vous dire au coin des yeux. Regardez d'ailleurs ceci, on va vous montrer par exemple ce que sont les commissaires, et c'est Patrick Chen qui est avec eux, et je crois que Xavier Louis devra répondre. Oh, messieurs les commissaires, comme vous devenez pointilleux, des avertissements pour des coureurs qui ont relevé leur manche en course, c'est sévère. 80 francs d'amende pour avoir fait pipi sur le bord de la route, ça l'est plus encore. Mais 75 francs d'amende à l'Espagnol Gaston pour poussette par spectateur, alors qu'il était rentré chez lui depuis deux jours, c'est trop. Quand on est pointilleux, il faut l'être jusqu'au bout. Alors nous ne sommes pas méchants, mais nous n'avons rien contre les commissaires internationaux. Je veux dire que parmi eux, il y a des gens tout à fait charmants. Mais vraiment, lorsqu'on lève un peu trop le drapeau rouge, on a l'impression vraiment d'être dans une armée en désordre. Jacques, j'aime pas qu'on attaque les gens qui sont pas là. Et comme je suis moi-même commissaire international... Mais vous êtes directeur de l'épreuve, mais vous êtes là. Je ne suis pas là, je vais quand même répondre sur une chose. Oui. Le fait de sanctionner un coureur qui effectivement est parti, c'est un problème de dossard. C'est simplement qu'il y a eu des dossards qui étaient pas très lisibles. Je crois que c'est un peu facile de les attaquer là-dessus. En revanche, c'est vrai, et on a eu nous-mêmes, en tant que directeur de l'épreuve, avec Jacques Godet, certaines discussions avec eux. Il y a eu des amendes exagérées qui sont bien sûr l'application à la lettre d'un règlement, mais qui ne sont pas dans l'esprit. Mettre une amende parce qu'il y a de la publicité sur les soquettes, alors qu'il y en a beaucoup sur le maillot, on l'a dit tout à l'heure, ça paraît dérisoire. En revanche, sanctionner des coureurs parce qu'effectivement ils s'abritent derrière les voitures ou parce qu'ils s'accrochent éventuellement à un véhicule, ça c'est une faute grave. Et je crois que ce qu'il faut comprendre, les commissaires, vous savez, on tape sur les arbitres aussi dans les matchs de football, je crois qu'il est trop facile de les accuser, on a besoin d'eux. Les directeurs sportifs sont d'ailleurs bien contents de leur demander de sanctionner les autres, c'est toujours les autres équipes, vous savez, qui font les erreurs ou les autres coureurs. Je pense que Jean-René pourrait d'ailleurs nous dire là-dessus. Alors, encore une fois, je crois qu'il faut tout de même prendre un petit peu leur défense, mais souhaiter qu'ils agissent dans l'esprit surtout, dans l'esprit d'un règlement et pas uniquement à la lettre du règlement. La grande question qui doit être posée est celle-ci. Qui dirige l'épreuve? Est-ce le président du jury des commissaires ou est-ce le directeur de l'épreuve? Bon, je crois que si vous voulez, c'est très clair depuis quelques jours. Je crois que chacun a pu s'en rendre compte. Qui organise la course, c'est Jacques Godet et moi-même. C'est nous qui l'organisons. Celui qui veut passer, que ce soit une moto, que ce soit une voiture, nous demande à nous-mêmes. Mais nous répartissons le travail avec les commissaires lorsque la course éclate. Mais toute décision importante de caractère sportif, le repêchage des coureurs, les sanctions effectivement qui sont données, sont du seul ressort de ces commissaires. Alors au commencement de cette émission, nous parlions de l'étape de demain. Et ça, c'est vraiment la vérité, l'épreuve de vérité, c'est-à-dire la Carpentras, le Mont Ventoux. Nous avons vu un certain nombre de coureurs qui demain pourraient être parmi les meilleurs. On a vu Amstein, Herrera, Alcala, Roche, Delgado, Roche Bernard. On n'a pas vu Jean-René Bernodeau dans ce que nous avons présenté. Or, vous avez déjà reconnu un peu le terrain ce matin. Je le connais, oui. Mais, non, vous le connaissez, mais l'avez-vous reconnu? Non, je ne l'ai pas reconnu. J'ai reconnu les 20 premiers kilomètres seulement. Ouais. J'ai seulement fait le tour du Ventoux, c'est-à-dire 3h30 d'effort ce matin, et je pense que ça suffit. Ça sera dur pour vous demain? Ça sera dur. Si pour moi c'est dur, pour certains ça sera très dur. J'ai encore la chance d'avoir une bonne santé, je récupère à peu près bien. Alors j'espère pour moi que ça ne sera pas très dur, sinon il y aura beaucoup de monde
au mur des lamentations demain soir. Alors je le redis, ce matin il a plu encore et il a beaucoup plu, donc tous les coureurs sont en ce moment sur le Mont Ventoux, sont en train de faire leur repérage, et je veux dire que les choses vont singulièrement se compliquer. Et nous souhaitions aujourd'hui surtout ne pas les angoisser, ne pas leur demander trop, car c'est vrai, on leur demande beaucoup, ils courent, ils viennent nous rejoindre ici, là, on les a laissés tranquilles par délicatesse. Oui, Xavier Louis. Oui, Jacques, tout à l'heure, justement, je voudrais relever ce que vous avez dit. Vous avez dit, nous avons mal choisi cette étape de repos à la veille de l'étape de Jacques Anquetil qui l'a dit, oui, hein, Jacques. Qui est un spécialiste, Jacques, moi. Hein. Absolument. Et simplement, je voudrais remarquer une chose. Ah, il est d'accord. Justement, Jean-René Bernodeau est parfaitement d'accord. Ça permet, en revanche, aux coureurs, pour ceux qui ne connaissent pas le Ventoux, et vous avez dit à juste titre que beaucoup des coureurs qui sont dans ce peloton cette année ne sont jamais montés jusqu'en haut du Mont Ventoux. Ils sont allés jusqu'au chalet Reynard. Dans les Paris-Nice. Ça leur permet justement de repérer cette montée. Je pense que c'est bon à la veille d'une course contre la montre. Oui, d'accord, mais enfin, je pense que si je serais plutôt de l'avis à Jacques Anquetil, la journée n'est pas très bien placée. Ça aurait été préférable de le faire, par exemple, il y a deux jours. C'est plutôt que reconnaître une épreuve, où c'est une épreuve où, avec une pente régulière, et ce sera surtout les favoris, les 20 meilleurs qui vont faire une reconnaissance pour la victoire, tandis que pour moi, personnellement, la reconnaissance n'est pas très importante. La journée de repos bien choisie est plus importante. Mais Jean-René, c'est important que les favoris, justement, le tour est aussi pour eux. Un dernier mot, juste un point, Jean-François. Moi, j'admets parfaitement, au contraire, ce que vous dites, et je crois que c'est important qu'on fasse attention à ça. Je peux vous révéler, Jacques, que ce matin, nous avons eu, et je crois que c'est une grande première, la première réunion de préparation du Tour 88 avec l'ensemble de l'équipe du Tour de France, et que dans cette équipe, il y avait bien entendu Bernard Hinault, il y avait bien entendu Albert Bouvet, il y avait bien entendu, je dirais, tous les gens qui préparent le Tour de France. C'est assez différent par rapport à ce qui se faisait avant, qui était assez dans le secret des dieux et dans le secret du cabinet. Richard Marillier était là aussi. Bien sûr, l'ensemble de l'équipe était là. Et pour justement poser ce genre de problème. Alors, je suis certainement pas en train de dire qu'on va vous concocter le paradis pour l'année prochaine. Hein. Le Tour de France, ça reste une épreuve extraordinairement dure. C'est aussi ce qui fait sa grandeur. Par contre, on va essayer justement que les transferts, le jour de repos, soient le mieux placés du monde. Alors, ce sera forcément minimiser les inconvénients. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que vous avez dans l'équipe un avocat extraordinairement cugnasse, pour reprendre ce terme, c'est Bernard Hinault. Et plusieurs fois ce matin, il nous a dit, bah, monsieur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que moi, je sais que ça se passe comme ça. Et ça, je crois que c'est un plus formidable. J'espère surtout que, dans un avenir proche, le Tour de France sera le Tour de la France. Enfin, on finira par y arriver. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Bon. On ne peut pas oublier les femmes. Ce Tour de France féminin, nous ne le voyons pas. On peut le regretter. Moi, je pense qu'il faudrait le mettre à une autre date, mais c'est votre problème. Vous en déciderez, car autrement, cela pourrait ressembler à un peu de mépris. Nous sommes là, nous ne sommes jamais là avec ces femmes qui font un travail tout à fait extraordinaire, et on finit bien, malgré nous, par vraiment les abandonner à leur sort. Mais je vais quand même vous les montrer. Un mot, alors. Juste un mot, je montre. Bonsoir à vous tous, nous sommes donc à Dijon, la veille de l'arrivée du Tour de France à Paris. Dijon, un nouvel élan. Oui, je crois, Jacques Chancel, qu'on s'est aperçu une fois de plus, et sans doute encore aujourd'hui,